Bonjour tout le monde. On va commencer le cours, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, on va faire un cours sur les aspects anatomaux et cytopathologiques des infections. Les infections qu'on va voir sont dues à des parasites, à des virus et aux mycoses. Donc, quels sont les objectifs de ce cours? C'est d'abord reconnaître les principales caractéristiques morphologiques des infections virales, mycosiques et parasitaires. Le deuxième objectif, c'est de rattacher un agent causal à une coloration histochimique et ou une technique de mise en évidence dans un service d'anatomie et cytologie pathologique. Le troisième objectif, c'est de décrire les aspects macroscopiques et microscopiques des kystes hydatiques, qui est une maladie endémique chez nous. Donc, voici le plan du cours. On va commencer par l'inflammation virale. Donc, on va faire une introduction avec définition. On va faire un petit rappel sur la structure et la classification des virus. On va voir la pathogénie de l'infection virale, les aspects morphologiques de l'infection virale. On va voir les principales viroses en pathologie humaine. On va voir l'évolution et la place de l'anatomie cytologie pathologique dans cette pathologie. Ensuite, on va passer à l'inflammation parasitaire, ensuite mycosique. Et enfin, c'est la conclusion. Donc, on va commencer par l'inflammation virale. L'inflammation virale se définit par l'ensemble des phénomènes cellulaires et tissulaires qui se produisent au contact d'un virus. Il faut savoir que l'infection virale représente la cause la plus fréquente des inflammations. Les conséquences de cette infection virale sont très variables et dépendent de plusieurs facteurs. D'abord, ces conséquences dépendent de la nature du virus. Certains virus sont connus par leur virulence. Elles dépendent aussi de la porte d'entrée de ces virus, les organes cibles et surtout aussi de l'état du système immunitaire du patient qui est infecté. Donc, elles peuvent être passagères sans conséquence, conférant une immunité qui est durable, ou bien, au contraire, elle peut être grave, entraînant soit par elle-même ou par les conséquences qu'elle va entraîner, le décès des patients. Donc, pour le rappel, donc la structure du virus, donc il faut savoir d'abord que les virus sont les plus petits micro-organismes. Donc, c'est un parasite intracellulaire obligatoire. Il ne peut pas vivre ou se multiplier à l'extérieur. Il est composé de trois constituants. Deux composants sont constants, obligatoires. Le troisième constituant est facultatif. Donc, le premier, c'est le nucléoïde, qu'on appelle aussi le génome viral. Il est représenté par une molécule, soit ADN ou ARN. Donc, voici le premier constituant. Le deuxième constituant, ce qu'on appelle la capside. La capside, c'est une coque protéique qui protège le génome viral. Donc, l'ensemble génome viral plus capside est appelé, on l'appelle nucléocapside. Donc, le troisième constituant, c'est l'enveloppe. L'enveloppe n'est pas obligatoire. Certains virus possèdent une enveloppe, d'autres ne possèdent pas. Donc, il faut savoir que la réplication du virus nécessite toujours son introduction dans une cellule hôte. Donc, c'est en utilisant la machinerie cellulaire de cette cellule qu'il pourra se reproduire. Donc, pour la classification des virus, elle repose sur la nature du génome viral. On a dit qu'il peut s'agir d'un ADN ou ARN. Elle dépend aussi du type
de la symétrie de la capside. La capside peut prendre un aspect hélicoïdal ou bien un aspect cubique. Troisième critère de classification, c'est la présence ou non de l'enveloppe. On a dit que l'enveloppe n'est pas, elle est inconstante, elle n'est pas obligatoire. Si on prend l'exemple du virus de la grippe, c'est un virus à ARN, donc le type de génome, c'est du ARN, c'est pas l'ADN. C'est un, le type de symétrie est représenté par l'hélice, et c'est un virus qui est enveloppé. Donc, c'est les trois critères qui permettent de classer les virus. Le type de génome, la symétrie de la capside et la présence ou non de l'enveloppe. Pour la pathogénie, donc le cycle viral évolue en plusieurs étapes. La première étape, c'est la, l'adhésion du virus à la membrane cytoplasmique de la cellule. Après adhésion et fusion, il y aura pénétration du virus. Après la pénétration, il y aura une décapsidation. Donc cette capside qu'on a dit, c'est une coque protéique qui protège le génome viral, va subir une dégradation. Et il y aura libération de l'ADN ou de l'ARN viral. Ensuite, cet ADN va utiliser toute la machinerie de cette cellule infectée pour se reproduire. Il y aura synthèse de plusieurs particules virales qui vont subir une maturation, donc ils vont, ces différents virions vont synthétiser leur propre capside. Ensuite, il y aura sortie de ce virus, ce qu'on appelle ces petits virus, on les appelle aussi virions, donc il y aura sortie par cette cellule. Donc après sortie de ce virus, on pourra avoir soit une destruction de la cellule dans laquelle il y a eu cette multiplication virale, ou bien elle peut être conservée. Et il y aura libération de ce virus. Alors, dans l'entrée, après entrée du virus dans l'organisme, cette pénétration peut être directe ou indirecte. Donc, directe, c'est le virus qui lui-même pénètre dans l'organisme. Indirect, dans ce cas, il faudra qu'il y ait un vecteur qui pourra introduire ce virus dans l'organisme. Ce vecteur peut être représenté soit par un animal ou un insecte, ou même par un matériel qui est souillé. Comme par exemple le virus de l'hépatite. Il nécessite des objets souillés pour qu'ils puissent entrer dans l'organisme. Ensuite, après pénétration, le virus va reconnaître sa cellule cible. Donc certains virus exercent leur effet pathogène au niveau du site de pénétration. Comme par exemple le virus, le rhinovirus. Donc dès qu'il rentre par les fosses nasales, il va se multiplier au niveau de la muqueuse nasale. Mais d'autres virus doivent rejoindre des cellules ou des tissus spécifiques pour ce type de virus. Si on prend par exemple le virus de la rage, il se multiplie exclusivement au niveau du cerveau. Donc, il doit rejoindre le parenchyme cérébral pour qu'il puisse se reproduire. Donc, comment se fait l'entrée du virus dans sa cellule qui est spécifique à lui? Donc, cette reconnaissance se fait grâce à des molécules qui sont exprimées par cette cellule. La cellule cible, on l'appelle aussi cellule permissive. Donc le virus va chercher certaines protéines qui sont exprimées par sa cellule cible, et quand il va reconnaître ses récepteurs, il va se lier pour qu'il y ait le cycle viral. Donc si on prend par exemple le virus du VIH, il va chercher son récepteur qui est représenté par le CD4. Le CD4, c'est une molécule qui est exprimée par les lymphocytes et les monocytes. Donc ce virus va chercher cette molécule. Quand il va l'identifier, il va se lier avec ce récepteur et il y aura déclenchement de son cycle viral. Maintenant, quel est le mécanisme de défense de l'organisme contre cette infection virale?
Donc, le premier mécanisme, c'est le rôle de barrière joué par la peau et les muqueuses. Donc, c'est le premier mécanisme de défense de l'organisme. Le deuxième, c'est les cellules du système monocytaire et macrophagique. Donc, les monocytes macrophages sont importants pour défendre l'organisme contre l'infection virale. Mais il faut savoir qu'ils sont incapables de détruire le virus, les monocytes macrophages. Donc, ils vont phagocyter les virus et puis ils vont les présenter aux cellules lymphocytaires. Donc, ce qu'il faut savoir, que ces monocytes macrophages ne peuvent pas éliminer les virus, mais sont nécessaires pour déclencher la réaction immunitaire spécifique au virus. Donc, les lymphocytes, justement, sont les agents de défense antivirale. Donc, on a dit pour que les lymphocytes puissent détruire les virus, il faut que ces virus soient d'abord phagocytés par les macrophages. Donc, s'il n'y a pas cette phagocytose, les lymphocytes ne pourront pas reconnaître le virus. Donc, ces lymphocytes utilisent plusieurs méthodes pour détruire les virus. La première méthode, c'est la sécrétion de substances à effet antiviral. C'est essentiellement l'interféron. D'ailleurs, l'interféron, on l'utilise comme médicament contre les infections virales. Donc ça, c'est le premier moyen. Deuxième moyen, c'est la synthèse et sécrétion d'anticorps spécifiques pour détruire ce virus. Donc ces anticorps sont importants pour la mémoire. Ils permettront d'éliminer le virus en cas d'une réinfestation ultérieure. Le troisième mécanisme, c'est la production de lymphocytes cytotoxiques. Donc, les lymphocytes cytotoxiques vont tuer les cellules qui sont infectées par le virus. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont déclencher l'apoptose. Vous avez fait votre cours sur la mort cellulaire. Vous avez fait nécrose et apoptose. Apoptose, c'est une mort qui est physiologique. Donc, les cellules cytotoxiques vont déclencher l'apoptose des cellules qui sont infectées par le virus. Donc, elles seront détruites en même temps, elles vont détruire les virus qui sont à l'intérieur de ces cellules. Donc, retenez bien les trois mécanismes de défense utilisés par les lymphocytes. On a dit le premier moyen, c'est les substances à effet antiviral, qui est représenté par l'interféron. Deuxième mécanisme, c'est par l'intermédiaire de la synthèse des anticorps. Et troisième, c'est l'effet cytotoxique en déclenchant l'apoptose de la cellule qui est infectée, qui contient ce virus qui est en train de se multiplier. Mais il faut savoir que beaucoup de virus ont développé des stratégies pour échapper au système immunitaire. Parmi ces mécanismes, c'est la variabilité antigénique. Donc, une variation dans le génome du virus est à l'origine de l'échappement du virus au système immunitaire. Donc, dès qu'il y a une modification génétique, il faudra qu'il y ait une rééducation aussi du système immunitaire pour pouvoir éliminer ces virus. C'est le mécanisme qui est utilisé, par exemple, par le VIH, le virus du sida, et aussi de l'hépatite C. Donc, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à trouver un vaccin efficace contre ces virus, justement à cause de cette variation antigénique de ces virus. On va passer maintenant aux aspects morphologiques de l'infection virale. Donc, quand il y a pénétration du virus dans l'organisme, il y a deux types de lésions. Il y a ce qu'on appelle les lésions directes, qui sont dues au virus lui-même. On les appelle aussi les effets cytopathogènes. Le deuxième type de lésion, c'est les lésions indirectes, qui sont dues plutôt au système immunitaire, à la réaction inflammatoire. Pour les lésions directes, vous avez la première lésion, c'est la formation de cellules géantes, qu'on appelle aussi les plasmodes. Donc, voici une cellule géante,
multinucléées qu'on peut voir au cours d'une infection virale. Bon. Donc vous voyez bien cette cellule géante au centre avec de multiples noyaux. Donc il y aura fusion des cellules infectées avec les cellules de voisinage. Donc ce mécanisme permet une multiplication rapide du virus. Donc au lieu qu'il infecte une seule cellule, puis il va sortir pour infecter une autre cellule, il va entraîner une fusion entre les cellules pour qu'ils puissent se multiplier rapidement sans passer par le milieu extérieur, et ça permet aussi d'échapper au système immunitaire. Donc la première leçon, c'est la fusion membranaire et la formation de cellules géantes. Le deuxième type de lésion, c'est les corps d'inclusion. Les corps d'inclusion, c'est quoi? C'est la présence de virus qui sont concentrés à l'intérieur de la cellule, qui vont donner cet aspect de corps d'inclusion. Ce que vous voyez ici, vous avez le virus de l'herpès, vous avez un noyau qui est entouré d'un halo clair. Donc cet halo clair correspond à une concentration du virus à l'intérieur de ces cellules. Le troisième type de lésion, c'est la lyse cellulaire. Ce que vous voyez en bas, c'est la destruction des cellules. Enfin, c'est après multiplication du virus et sortie. Il peut y avoir une lyse des cellules infectées par ce virus, ce qui permet aussi une libération d'une quantité importante de virus qui va pénétrer dans les cellules de voisinage. Donc les trois types de lésions directes au cours d'une infection virale sont formation de cellules géantes qu'on appelle aussi les plasmodes. Le deuxième, la nécrose cellulaire étendue par lyse cellulaire, et les corps d'inclusion. Quand on dit corps d'inclusion, ça correspond à quoi? Est-ce que c'est des sécrétions à l'intérieur de la cellule ou bien ça correspond à quoi? Quand on voit au microscope une cellule avec une vacuole, cette vacuole correspond à quoi? Correspond au virus qui est concentré à l'intérieur de la cellule. Donc, c'est les trois types de lésions directes engendrées par le virus. Pour les lésions indirectes, il faut savoir que ces lésions ne sont pas spécifiques de l'infection virale. Donc, il peut s'agir d'un œdème, congestion vasculaire, on peut avoir une inflammation mononucléée, et aussi une fibrose. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est l'inflammation mononucléée. Pourquoi? On a dit dans le mécanisme de défense de l'organisme, quel est le moyen le plus efficace contre l'infection virale? Est-ce que c'est les monocytes macrophages? Non, c'est les lymphocytes. Donc quand il y a une infection virale, systématiquement, on va retrouver une inflammation qui est de type mononucléé, parce que c'est le meilleur mécanisme de défense de l'organisme contre les virus. Donc l'inflammation mononucléée fait partie des lésions indirectes engendrées par les virus. Si je vous dis corps d'inclusion, présence de corps d'inclusion au niveau des cellules, c'est une lésion qui est directe ou indirecte? Directe, parce que c'est le virus qui est concentré dans la cellule. Par contre, si vous avez un infiltrat inflammatoire riche en éléments mononucléés, ça c'est un signe indirect d'une infection virale. On va voir les principales virus en pathologie humaine. Donc il y a plusieurs types de virus qui peuvent toucher l'être humain. Vous avez des virus épidermotropes. Ça veut dire quoi, épidermotropes? C'est un virus qui va concerner quelle partie dans l'organisme? Voilà, la peau et les muqueuses. Vous avez aussi, vous avez aussi les virus neurotropes. C'est des virus qui vont s'intéresser au système nerveux.
Vous avez les virus mucotropes. Mucotropes, c'est les muqueuses. Vous avez aussi les virus adénotropes, c'est-à-dire qui vont se multiplier au niveau des ganglions. Et vous avez les rétrovirus. Pour les virus épidermotropes, vous avez les virus du groupe herpès. Vous avez l'herpès, la varicelle et le zona. Donc, dans ce type de virus, la lésion élémentaire est une vésicule. C'est-à-dire que même sur le plan clinique, la lésion élémentaire, c'est des vésicules. Sur le plan histologique, nous allons avoir des cellules qui sont volumineuses, avec un cytoplasme clair, éosinophile et un noyau de taille très augmentée, contenant les inclusions virales. Donc vous avez déjà la lésion élémentaire, déjà cliniquement c'est des vésicules, et même sur le plan histologique, vous avez des cellules vacuolisées avec ces inclusions, ça permet d'orienter plutôt vers une infection par le groupe du virus herpès. Bien sûr, dans le derme, vous avez aussi un infiltrat qui est riche en éléments mononucléés. Le deuxième type de virus, c'est les papillomavirus. Donc, contrairement à l'herpès, la lésion élémentaire est une hyperplasie de l'épiderme. Donc, nous avons trois types de lésions. Vous avez la verrue vulgaire, vous avez le molluscum contagiosum et le condylome vénérien. Donc, verrue vulgaire, on a dit que la lésion élémentaire est une hyperplasie de l'épiderme. Même sur le plan histologique, vous avez une papillomatose avec une hyperplasie du corps muqueux de Malpighi. Là aussi, on peut avoir des cellules vacuolaires qui comportent des inclusions virales. Vous avez aussi le molluscum contagiosum. Là aussi, vous avez des petites lésions blanchâtres. Donc, on a dit que là aussi, c'est toujours la même lésion qui est hyperplasique. Et sur le plan microscopique, la lésion est très caractéristique. Vous avez des cellules qui comportent des inclusions virales très basophiles qui orientent justement vers ce type d'infection virale. Et vous avez enfin le condylome vénérien. Donc, condylome, c'est comme la verrue vulgaire, mais au niveau des muqueuses génitales, surtout le col utérin, et vous avez aussi la muqueuse anorectale. Là, ce qui est très caractéristique dans le condylome vénérien, c'est la présence de cellules coélocytaires. D'ailleurs, on les recherche systématiquement dans les frottis. Donc, sur frottis, vous avez des cellules malpighiennes qui sont entourées d'une vacuole. Je ne sais pas si vous voyez la photo en bas. Vous avez un groupe de cellules malpighiennes. Vous avez au centre une cellule dont le noyau est entouré d'une vacuole. C'est ce qu'on appelle coélocyte. Donc, le fait de retrouver ces coélocytes sur un frottis cervico-vaginal, ça permet de poser le diagnostic d'une infection par l'HPV. Pour les virus neurotropes, donc un exemple, c'est le virus de la poliomyélite qui est dû à un entérovirus. Donc ce virus va s'intéresser aux neurones des cornes antérieures de la moelle. Donc, vous avez les virus mucotropes. Donc mucotropes, vous avez le virus de la rougeole, de la grippe, qui affecte essentiellement les muqueuses respiratoires. Dans la rougeole, c'est très caractéristique. On va rechercher cette cellule géante. On a vu dans les lésions directes engendrées par les virus, on a vu les cellules géantes. Dans la rougeole, il y a pratiquement toujours la présence de ces cellules géantes qu'on appelle les cellules de Wharton, donc qui sont très spécifiques à la rougeole. On va parler aussi du coronavirus. Donc, c'est une infection qui est liée au SARS-CoV-2. Donc, les lésions, ce virus entraîne des lésions qui prédominent largement, mais non exclusivement, au niveau de l'arbre respiratoire.
Donc, sur le plan macroscopique, vous avez des lésions qui ne sont pas très spécifiques au coronavirus. Ces lésions ont été constatées sur les autopsies. Donc, vous avez un poumon qui a un aspect hépatisé. On peut avoir un aspect très congestif. Et ça ressemble pratiquement à un foie. Vous avez fait dans les lésions vasculaires le foie cardiaque. C'est dû à cette congestion très importante. Maintenant, ce qui est caractéristique sur le plan macroscopique, c'est la présence de thrombies. Donc la présence de nombreux emboles, petites emboles vasculaires, au niveau des artères et des différents vaisseaux du poumon. Donc là, vous voyez les deux flèches vertes. Donc ça correspond à des thrombies, c'est une thrombose des vaisseaux au niveau des poumons. Sur le plan microscopique, les images sont dues, dans la plupart du temps, à un dommage alvéolaire diffus. Il y a une destruction massive du parenchyme pulmonaire. On va avoir des membranes hyalines, de la fibrine, on peut avoir une pneumonie organisée, très fibrineuse. On peut avoir aussi la présence de cellules multinucléées qui sont dues à la fusion des pneumocytes. On a vu tout à l'heure les effets directs, les lésions directes engendrées par les virus. On peut avoir, ce que vous voyez au niveau de la flèche, des pneumocytes qui sont binucléés, parfois même multinucléés, qui sont dus à l'effet ou lésion directe de ce coronavirus. Et enfin, comme on a vu dans les lésions macroscopiques, on a vu qu'il y a des thrombies au niveau des différents vaisseaux du poumon. Histologiquement, on peut voir aussi des thromboses au niveau des différents artères ou même veines au niveau du parenchyme pulmonaire. On peut avoir aussi des lésions de la paroi vasculaire, soit artérite, soit une veinite. Donc, le coronavirus entraîne surtout une destruction du parenchyme pulmonaire et aussi des lésions de type thromboembolique. Pour le virus hépatotrope, donc hépatotrope, cela veut dire qu'il va intéresser le foie. Donc, il y a plusieurs types de virus. Vous avez le virus de l'hépatite B, C, vous avez A, D et E. Donc, 5 types de virus. Donc, le virus B est un virus à ADN. Donc, lorsqu'il infecte le foie, il peut évoluer soit vers une hépatite aiguë. Aiguë, c'est-à-dire qu'elle va évoluer en phase aiguë, puis elle va disparaître. Il peut évoluer vers une forme grave de l'hépatite, ce qu'on appelle l'hépatite fulminante. Fulminante, ça veut dire quoi? Il y aura une destruction massive du foie. Généralement, elle conduit au décès des patients. Donc, l'hépatite fulminante est une hépatite aiguë très grave. Le seul traitement qu'on peut proposer, c'est la transplantation hépatique. Donc, quand on dit fulminante, est-ce que ça veut dire aiguë ou chronique? Non. Fulminante, c'est aiguë. Aiguë, la seule gravité, c'est l'évolution vers l'hépatite fulminante. Elle évolue très rapidement et entraîne le décès des patients. Le virus de l'hépatite B, on a dit qu'il peut évoluer vers l'hépatite aiguë fulminante et aussi vers l'hépatite chronique. Pour le virus de l'hépatite C, l'hépatite aiguë et fulminante sont très rares. Il n'y a pas pratiquement de virus de l'hépatite C qui peut entraîner une hépatite fulminante. C'est l'évolution plutôt vers la chronicité. Lorsqu'il y a infection par le virus de l'hépatite C, la plupart du temps, ces patients vont développer une hépatite chronique. Pour le virus de l'hépatite A, donc c'est un virus qui n'évolue pas vers la chronicité. Généralement, c'est une hépatite aiguë, mais il y a aussi le risque d'évoluer vers une hépatite fulminante. Pour le virus D, c'est un virus défectif. Ça veut dire quoi défectif? Ça veut dire qu'il nécessite la présence du virus de l'hépatite B pour qu'il puisse infecter le foie.
Donc, si vous n'avez pas un virus B, l'hépatite B ne pourra pas se développer. Pour le virus de l'hépatite E, il est très, il est mal connu, mais il ressemble beaucoup, beaucoup au virus de l'hépatite A sur le mode d'évolution, c'est-à-dire qu'il n'évolue pas vers la chronicité, c'est surtout les hépatites aiguës et parfois même fulminantes. Donc, vous avez compris le type d'évolution. Si je vous dis hépatite C, est-ce qu'il y a risque d'évolution vers l'hépatite aiguë fulminante? Le virus de l'hépatite C évolue presque 100% vers la chronicité. Le virus de l'hépatite B, vous avez les trois modes d'évolution, soit aiguë, soit fulminante, soit chronique. Le virus de l'hépatite A, il n'y a pas d'évolution vers la chronicité. Donc, si vous avez une hépatite chronique, virale, elle peut être due soit hépatite B ou hépatite C. Donc, on n'a pas une hépatite chronique qui est liée au virus de l'hépatite A ou de l'hépatite E. Pour les lésions engendrées au niveau du foie, vous avez des altérations des hépatocytes, donc c'est des hépatocytes qui sont en souffrance. Vous avez des hépatocytes vacuolaires, granulaires, parfois même nécrotiques. Dans l'hépatite B, on peut avoir cet aspect en vert des polis qui est lié à une clarification du cytoplasme des hépatocytes, donc ce qui correspond aussi, là aussi, à des inclusions virales. Donc l'aspect en vert des polis se voit au niveau de l'hépatite B et il est dû à la concentration du virus dans le cytoplasme des hépatocytes. Donc la réaction inflammatoire, on a vu tout à l'heure que c'est des éléments surtout mononucléés. Ils peuvent être associés à des polynucléaires. On peut avoir aussi de la nécrose, mais c'est surtout les éléments, on a dit, mononucléés, lymphocytaires. Donc, dans l'hépatite aiguë virale, c'est beaucoup plus la nécrose et l'infiltrat qui est riche en polynucléaires neutrophiles. Donc, on a vu que aiguë, c'est un stade qui est aigu. Il n'y a pas encore cette évolution vers la chronicité. Maintenant, dans l'hépatite virale, donc nous avons deux types de lésions. Vous avez la fibrose et vous avez la réaction inflammatoire et la nécrose hépatocytaire. Donc, quand on a une fibrose au niveau d'un parenchyme hépatique lié à une hépatite virale, la fibrose signifie la chronicité. Mais la présence d'infiltrat inflammatoire avec nécrose hépatocytaire, elle est due à l'activité de cette hépatite. Je vous explique. Si vous avez vous êtes devant un patient qui est connu pour hépatite, vous voulez faire le suivi de ce patient. Vous faites une biopsie hépatique. Au microscope, vous avez beaucoup plus de la fibrose. Ça veut dire que cette hépatite est chronique. Elle a bien évolué, mais elle n'est pas active. Pourquoi elle n'est pas active? Parce qu'il n'y a pas d'infiltrat inflammatoire et il n'y a pas de nécrose. Donc, quand vous avez la fibrose, c'est par rapport à la chronicité. Quand vous avez infiltrat inflammatoire important avec la nécrose, c'est en rapport avec l'activité de cette hépatite. Donc, on va voir tout à l'heure dans les différents types d'évolution de l'infection virale. Donc, pour les virus adénotropes, vous avez le virus de la rubéole, par exemple, qui va toucher essentiellement les ganglions au niveau occipital. Donc, elle est due un exemple de virus adénotrope est le virus de l'EBV. EBV est aussi associé à certaines proliférations tumorales de type lymphoïde. Par exemple, le lymphome B et le lymphome de Hodgkin qui sont dans la plupart du temps liés à ce virus de l'EBV. L'EBV est aussi maintenant incriminé dans le cancer du nasopharynx.
Enfin, pour les rétrovirus, donc pourquoi on les appelle rétrovirus? Parce que c'est des virus qui contiennent une enzyme qu'on appelle transcriptase. Au départ, c'était des virus composés d'une molécule d'ARN, mais lorsqu'ils pénètrent dans la cellule permissive, cette enzyme permet la transformation de cet ADN en ADN. Il y a quelques exemples qui sont, il y a deux en fait virus qui sont actuellement connus comme pathogènes chez l'homme. Vous avez le virus HTLV1 qui est responsable de certains leucémies et même de lymphome T. Et vous avez le virus du sida, le VIH. Donc ces deux types de virus sont des rétrovirus qui comportent cette enzyme particulière. Maintenant, pour l'évolution, certaines infections virales se limitent à l'infection primaire. Infection primaire, il n'y a ni persistance ni latence virale ultérieure. Donc, l'infection primaire peut se manifester par des symptômes ou parfois elle passe inaperçue, elle est asymptomatique. La seule preuve qu'il y a eu cette infection virale, c'est une sérologie qui est positive. C'est l'exemple de la rubéole. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait cette sérologie pour les femmes enceintes, pour savoir est-ce qu'elles sont immunisées contre la rubéole ou non. Parce que la plupart du temps, on se rappelle même pas qu'on a fait une rubéole. Donc, le plus souvent, elle passe inaperçue. La seule preuve, c'est une sérologie positive, et ce qui confère une immunité durable contre cette infection virale. Le deuxième type d'évolution, donc on a dit l'évolution, soit ça reste limité à l'infection primaire. Le deuxième type d'évolution, c'est la latence virale. Latence virale, c'est quoi? C'est-à-dire que le virus persiste, mais en état de dormance. On dirait qu'il est présent dans l'organisme, mais il n'entraîne aucune réaction inflammatoire, aucune modification. Il peut y avoir une activation de ce virus, ou généralement lorsqu'il y a une diminution des capacités du système immunitaire dans les états d'immunosuppression. Les états d'immunosuppression peuvent entraîner le réveil de certains virus qui étaient à l'état de latence. Latence, c'est-à-dire qu'il y a toujours le virus, mais qui est en état de dormance. C'est l'exemple type du zona qui apparaît après plusieurs dizaines d'années d'une varicelle. Donc, quand il y a une infection par la varicelle, il y a la guérison. Il peut y avoir persistance de ce virus en état de latence. Après, si vous avez une immunodépression, il peut y avoir une réactivation de ce virus, et dans ce cas-là, on ne va pas l'appeler varicelle, mais plutôt le zona. Enfin, troisième type d'évolution, c'est la persistance. Donc, vous avez l'infection primaire, donc ça passe la plupart du temps inaperçu. Vous avez la latence, donc il y a persistance, mais en état de dormance. Le troisième type, c'est la persistance. Donc, il n'y a pas une guérison. Le virus est toujours là, il est toujours présent. Donc, si le patient présente des symptômes liés à cette infection virale, là, on va parler d'une infection virale chronique. Maintenant, si le patient ne présente aucun symptôme, là, on va parler de porteur sain. Donc, vous avez compris, porteur sain et inflammation ou infection virale chronique. Chronique, c'est des patients qui ont toujours ce virus avec des symptômes. Mais porteur sain, il a le virus, mais il ne présente pas de symptômes. Donc, pour les conséquences de cette inflammation virale, il y a le plus grand risque lié à l'infection virale, c'est le développement de cancers. Donc, maintenant, on sait que certains cancers sont directement liés à un virus. Donc, chez l'être humain, nous avons six types de virus qui peuvent entraîner des cancers chez l'homme. Vous avez l'EBV, vous avez le virus de l'hépatite B. Le BV, on a vu, il peut entraîner des lymphomes, lymphome hodgkinien, lymphome B. Il peut aussi entraîner le cancer du nasopharynx.
Vous avez le virus de l'hépatite B et de l'hépatite C qui peuvent entraîner un hépatocarcinome. Vous avez le virus HHV8 qui est lié, qui peut entraîner le sarcome de Kaposi. Vous avez aussi l'HPV, l'HPV avec le cancer du col utérin. Donc c'est la principale cause du cancer du col chez les femmes. Et vous avez le virus HTLV qui peut provoquer des lymphomes T et une leucémie. Donc il y a plusieurs mécanismes qui peuvent entraîner l'apparition de ces cancers. Parmi eux, vous avez l'intégration du génome viral à l'ADN de la cellule. Donc il y aura réplication, il y aura modification de l'information génétique, il y aura apparition de ces anomalies qui seront responsables de l'apparition de ces cancers. Il y a aussi une synthèse par le génome viral de certaines molécules qui entraînent l'immortalité des cellules. Donc, ce qui va évoluer à la longue vers l'apparition d'un cancer. Donc, c'est tout un domaine de recherche concernant la pathogénie de ces cancers liés au virus. Maintenant, pour le diagnostic de ces infections virales, l'anatomie pathologique peut jouer un rôle dans la prise en charge de ces infections virales. D'abord, dans la contribution du diagnostic. Donc, diagnostic, à votre avis, comment on va faire le diagnostic d'une infection virale? En recherchant quoi? Vous avez une coupe, par exemple, d'une peau, là, je sais pas, où on suspecte une infection virale. Qu'est-ce qu'on va chercher surtout? On a vu les lésions directes du virus. C'est quoi? Pardon? On a dit trois effets directs. Les cellules géantes. Sur une coupe, on va chercher des cellules géantes. On a parlé tout à l'heure de la rougeole. C'est des cellules très caractéristiques. La cellule de Wharton est très caractéristique de la rougeole. On va rechercher ces plasmodes, ces cellules géantes, qui orientent vers une infection virale. On va rechercher aussi quoi? Les corps d'inclusion. On a vu tout à l'heure dans un frottis, le fait de trouver des cellules coïlocytaires, on pourra répondre que cette patiente a l'HPV. Donc c'est ça la contribution au diagnostic, en recherchant surtout les lésions directes engendrées par les virus. Donc, on pourra s'aider de l'étude au microscope électronique. Donc, le microscope électronique peut mettre en évidence directement le virus. On a dit dans l'introduction, dans le rappel, que les virus sont les micro-organismes les plus petits. On pourra jamais le voir au microscope. C'est seulement le microscope électronique qui pourra visualiser ces particules. On pourra utiliser aussi les techniques d'immunohistochimie. On va utiliser des anticorps dirigés contre des protéines de ce virus. Par exemple, on peut utiliser l'anticorps LMP1. LMP1, c'est un anticorps qui est dirigé contre une protéine virale de l'EBV. Si vous êtes devant un lymphome Hodgkinien, on va compléter l'étude immunohistochimique à visée diagnostique, on va la compléter par LMP1. Pourquoi? On va rechercher est-ce que cette lymphome Hodgkinien est lié à l'EBV ou pas. Donc si cet anticorps revient positif, cela veut dire que ce lymphome Hodgkinien est provoqué par l'EBV. Vous avez compris? Immunohistochimie, dans quel but? C'est de savoir est-ce que ce lymphome est dû à l'EBV. Troisième technique, c'est les techniques de biologie moléculaire, essentiellement hybridation in situ. Là aussi, on reprend l'exemple de l'EBV. On peut le rechercher par l'immunohistochimie en utilisant LMP1 ou par méthode d'hybridation in situ, plutôt la CICH. On va utiliser
cette méthode pour mettre en évidence ce virus. Donc, pour rechercher le virus, vous avez la morphologie en recherchant les lésions directes. Vous avez l'immunohistochimie en utilisant des anticorps dirigés contre les protéines virales. Et vous avez aussi la biologie moléculaire, c'est surtout l'hybridation in situ, en recherchant aussi les protéines virales. Et bien sûr, on peut utiliser la microscopie électronique, mais il faut savoir qu'à nos jours, on fait plus recours au microscope électronique. Donc, on a vu le rôle du médecin pathologiste, c'est la contribution au diagnostic, et aussi, il va évaluer les conséquences de cette infection virale. Là, on revient toujours à la biopsie hépatique chez les patients porteurs d'une hépatite chronique virale. Donc, dans le mode de surveillance de ces patients, c'est justement, il faut faire ces biopsies pour voir le retentissement. On a vu que l'infection virale peut être persistante. Elle peut être soit chronique, soit asymptomatique. C'est ce qu'on appelle les porteurs sains. Donc, il faudra toujours rechercher les conséquences de ces infections virales qui sont persistantes sur l'organe qui est touché par cette infection virale. Et là, c'est le rôle du médecin pathologiste qui va évaluer ces conséquences. C'est bon pour l'inflammation virale? Vous avez des questions pour l'inflammation virale? Il faut bien retenir les différents aspects morphologiques, les lésions directes et indirectes. On va passer à l'inflammation d'origine parasitaire. Donc, l'infection parasitaire peut être diagnostiquée par l'anatomie pathologique, mais il faut savoir que le diagnostic repose essentiellement sur la parasitologie. C'est par examen direct, par aussi les examens de sérologie. Donc, pour les moyens de diagnostic, nous avons toujours l'étude morphologique. Les parasites, contrairement aux virus, sont de plus grande taille. Donc, on arrive à les voir au microscope. Donc, le virus, on ne pourra jamais le voir au microscope parce que c'est les plus petits micro-organismes. Mais les parasites peuvent atteindre des tailles très importantes, donc on peut les voir sur le plan microscopique. Donc là, ce que vous voyez entouré, c'est des giardia. Parfois, sur des biopsies duodénales, on peut mettre en évidence ces giardia au niveau du film muqueux. Donc, vous allez voir les villosités intestinales. Dans le film muqueux, vous allez voir des corps qui correspondent à des cerfs volants avec ces deux yeux qui sont très caractéristiques. Il est très joli à voir. Donc, parasite, on peut le mettre en évidence sur la morphologie. Là où vous avez la membrane proligère, on va le voir tout à l'heure, du kyste hydatique. Donc, c'est des lésions très caractéristiques en rapport avec cette infection parasitaire. Donc, à côté de la morphologie, on peut utiliser aussi des colorations spéciales. Généralement, c'est la coloration opaque et coloration de Guillain-Fa. Là, vous avez des macrophages très géants qui comportent à l'intérieur des corps de Leishmanie qui seront colorés par la coloration de Guillain-Fa. Donc, vous avez la morphologie, vous avez les colorations spéciales. Et comme pour l'inflammation virale, on peut utiliser les techniques d'immunohistochimie. Donc, c'est des anticorps qui sont dirigés contre certains constituants de ce parasite. Et vous avez aussi l'examen ultrastructural par microscopie électronique. Mais là, on revient toujours, qu'il faudra toujours confirmer par un examen parasitologique. Pour la réaction inflammatoire, on a vu tout à l'heure, pour l'inflammation virale, quel type de réaction inflammatoire? Elle est riche en quoi? En lymphocytes. C'est des éléments mononucléés pour les virus. Il faudra bien retenir, au moins quand vous sortez de ce cours, il y a des notions de base qu'il faudra retenir. Vous n'êtes pas obligé de retenir tout le cours. Mais il faut d'abord savoir que dans l'inflammation virale, quel type de réaction inflammatoire prédominant? C'est les lymphocytes. Pour les parasites, il y a une réaction inflammatoire, mais elle est composée surtout de polynucléaires et éosinophiles.
Parfois, on nous envoie des kystes. Ils suspectent un kyste hydatique, mais ils nous envoient uniquement le périkyste. On va le voir tout à l'heure. Au niveau de périkyste, on va retrouver beaucoup plus des polynucléaires et éosinophiles. Donc, c'est un signe qui oriente vers une infection parasitaire. Alors que si vous avez un infiltrat qui est plutôt riche en éléments mononucléaires, c'est pas en faveur d'une infection parasitaire. On peut avoir aussi des calcifications. Donc, si on prend l'exemple de la bilharziose, c'est un parasite qui va toucher surtout la vessie. Donc, c'est une vessie qui est très remaniée avec de la fibrose, un infiltrat inflammatoire très polymorphe. Et vous avez ces calcosphérites qui sont très caractéristiques, qui orientent vers la bilharziose. D'autant plus si on arrive à voir ce parasite. Donc, on va juste parler de l'aspect morphologique de l'échinococcose ou le didatidose qu'on appelle aussi kyste didatique. Donc, il est dû au Ténia échinococcus. Et la contamination se fait de façon accidentelle par le chien qui est le l'hôte définitif. Donc le kyste hydatique peut toucher tous les organes. Mais le premier organe qui est touché, c'est le foie qui est suivi du poumon. Ensuite, vous avez le rein, la rate. Parfois, on arrive à nous envoyer des prélèvements d'un kyste, un kyste cervical. Et sur l'étude morphologique, on tombe sur un kyste hydatique. Il est vraiment ubiquitaire. Dernièrement, on a reçu un prélèvement d'une biopsie mammaire chez une patiente qui présente radiologiquement. Ils ont parlé d'un kyste mucoïde. C'est décrit dans le parenchyme mammaire. Mais quand on a examiné au microscope, c'était un kyste hydatique. C'est vrai que c'est des sièges très rares. Il faudra savoir que le kyste hydatique peut avoir un siège ubiquitaire. Mais c'est le foie suivi du poumon qui sont les plus touchés. Sur le plan morphologique, c'est une formation kystique. Kyste hydatique, c'est quoi? C'est un kyste. Il est formé de trois couches. Vous avez le périkyste, vous avez la deuxième couche qui est cuticule, et vous avez la membrane proligère. Donc le périkyste se présente comme une paroi très fibreuse, de consistance cartonnée. En fait, le périkyste appartient plutôt à l'hôte. C'est le parenchyme qui entoure le virus qui va produire cette couche très fibreuse pour essayer de limiter ce parasite. Donc, en fait, le périkyste ne fait pas partie des vrais constituants du parasite. La deuxième couche, bien sûr, sur le plan histologique, le périkyste, c'est une paroi fibreuse qui comporte un infiltrat inflammatoire, qui est plutôt riche en quoi, à votre avis? Kyste hydatique, vous avez un périkyste, il est riche en quel élément inflammatoire? Des macrophages, des monocytes, des lymphocytes, des polynucléaires et éosinophiles. Donc regardez ici, c'est un périkyste. Dommage que la photo n'est pas très claire. Donc, vous voyez plein de polynucléaires et éosinophiles. Quand vous avez un infiltrat qui est très riche en polynucléaires et éosinophiles, il faudra penser à une parasitose. Donc, deuxième couche, c'est la membrane anis ou cuticule. Donc, macroscopiquement, elle est très caractéristique. C'est une paroi qui est très filante, de couleur blanc nacré. Elle est vraiment très filante. Et sur le plan microscopique, vous avez cet aspect éosinophile, lamellaire et aniste, qui permet de poser le diagnostic de kyste hydatique. Donc, par exemple, si on revient à cette biopsie mammaire qui a été faite chez cette patiente, on est tombé sur des lamelles hydatiques. Elles sont très caractéristiques. Elles sont éosinophiles, d'aspect lamellaire, feuilletées. On dirait que c'est des plusieurs feuilles qui sont déposées une sur l'autre. Donc, c'est très caractéristique, ça permet de poser le diagnostic de kyste hydatique. Troisième et dernière couche, c'est la membrane proligère. La membrane proligère ou germinative, c'est la membrane fertile du parasite. C'est elle qui va donner naissance aux têtes de Scolex. Donc, elle est très fragile, on la voit très rarement sur le plan microscopique.
parce qu'elle est facilement détruite. Si on arrive à voir, donc vous voyez cette paroi, ce qui est foncé, c'est la membrane feuilletée, les lamelles idatiques. Ce que vous voyez, cette fine couche avec ces têtes de scolex, c'est la membrane proligère ou germinative. C'est elle qui va donner les vésicules filles de ce parasite. Donc, c'est bon pour l'infection parasitaire? Donc, pour l'inflammation d'origine mycosique, là aussi, le diagnostic histopathologique doit être toujours corrélé aux données mycologiques. Donc, examen direct, parfois même culture et la sérologie. Donc, certains champignons sont bien visibles à l'HE. Donc, là aussi, comme les parasites, les champignons peuvent atteindre une taille importante, donc on arrive facilement à les voir au microscope. Et parfois, on va céder des colorations spéciales, donc passe et les colorations argentiques de Gomoni. Donc là, vous voyez, sur le plan morphologique, on peut voir la présence de levures, la présence de filaments mycéliens, comme dans la candidose. Et ici, vous avez un aspect très caractéristique de ces filaments qu'on voit parfois dans le poumon en cas d'aspergillose. Des fois, c'est des découvertes fortuites, c'est des patients opérés pour autre pathologie. Et quand on reçoit la pièce, on retrouve ces filaments mycéliens qui sont très caractéristiques de ces champignons. Donc, la présence de ces aspects morphologiques permet de poser le diagnostic, bien sûr, en complément avec le reste des examens de mycologie. Donc, pour la réaction inflammatoire, on a vu le virus, c'est un infiltrat qui est de type mononucléé, lymphocytaire. On a dit pour les parasites, il est riche en quoi? Éosinophiles. Pour les mycoses, les champignons, il est généralement riche en polynucléaires neutrophiles, généralement. Il peut y avoir des réactions inflammatoires nécrotiques, comme dans l'aspergillose, et certains champignons peuvent entraîner une réaction inflammatoire granulomateuse, comme la tuberculose. Donc, on peut avoir des granulomes épithélioïdes et gigantocellulaires entourant un champignon, comme le cas de l'histoplasmose. Voilà, en conclusion, donc le diagnostic anapathe précis d'une infection virale est rarement réalisé. Sur le microscope, on observe plutôt les lésions directes qui sont engendrées par le virus, parfois des lésions indirectes qui peuvent aussi orienter. Et pour les parasitoses et les mycoses, donc il faudra toujours compléter par un examen de parasitologie, parfois même de culture, pour avoir le diagnostic de certitude. Il faudra insister aussi sur le rôle du pathologiste dans l'appréciation de retentissement de ces différentes infections sur l'organe qui est touché par ces infections. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Merci.